Bueno, generalmente la mirada arrabal se refiere a la guerra civil y sobre todo a la ausencia de padre. Madre invasora, padre ausente, lo cual provoca un penoso conflicto en su alma. Así yo diría que ese es el leitmotiv de su obra, la búsqueda del padre y la prisión frente a una madre invasora. Odio-amor. Interesante es eso. Mamá, ¿por qué no me hablas nunca de papá? ¿Por qué te voy a hacer sufrir? ¿Para qué hablarte de tu padre? ¿Para decirte que fue un traidor a su patria? ¿Que lo llevaron a prisión? Y que incluso intentó suicidarse. Toda mi vida me he sacrificado por ti y mira cómo me recompensas. Tienes que creerme. Tu padre ha muerto. ¡Fando! ¡Fando! ¿A dónde vas? ¡Ven! ¡Fando! Yo creo que es que quizá mi mejor trabajo en el cine, y eso fue gracias a la dirección de Fernando, a la libertad enorme que me dejó, una libertad controlada, como siempre, pero que me hizo sentir, no sé, muy creativa, cosa que no me suele ocurrir en el cine. Me ocurre en el teatro, sí, pero en el cine rara vez. Pour moi, le cinéma d'Arabal, c'est un moment fort de ma jeunesse. Je me souviens de J'irai comme un cheval fou, Viva la Muerte, qui devait être son premier film. Pour moi, c'est des émotions de jeunesse absolues. C'est-à-dire, il y avait dans ce premier cinéma d'Arabal une fantaisie et une radicalité. Que je n'ai trouvé en ce temps-là chez à peu près personne, et sûrement pas chez ses contemporains. Puisque pour moi c'est évident que j'ai fait une œuvre en quantité si grande, tant de pièces, tant de romans, tant de films, que finalement, très souvent, je me suis dit, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit suffisamment tout ce qu'elle était la place de ma mère dans ce cas-là. J'ai pensé qu'il fallait la décrire ce que j'ai imaginé comme des monstruosités d'une manière plus insistante. Et le fait que je n'écris finalement qu'un roman, un film sur ça me semblait qu'elle n'était pas assez. Que son rôle avait été d'une importance capitale dans la disparition de mon père et même dans l'arrestation physique de mon père. Il n'est pas étonnant que la thématique de la guerre d'Espagne soit présente dans toute l'œuvre d'Arabal, au théâtre, dans les livres et au cinéma, bien entendu. Mais alors, ce que les gens n'ont pas toujours su en France, et même au moment de la guerre d'Espagne, à côté des barbaries qui se passait à côté de ces villages brûlés, de l'arrivée des réfugiés qui n'a pas toujours été admise, eh bien les Français, à quelques kilomètres de là, étaient sur les plages et ne mesuraient pas l'importance et la tragédie qui se déroulait là-bas.